Parmi les personnes arrêtées figurerait le prince et milliardaire Al-Walid Ben Talal, connu pour franc-parleur et qui avait lancé il y a un an un vibrant appel pour que les femmes obtiennent le droit de conduire, Amer Hilabi AFP 11 princes et des dizaines de ministres, dont certains encore en exercice, ont été arrêtés samedi en Arabie Saoudite sur décision d'une commission anticorruption, a annoncé la chaîne satellitaire Al Arabiya à capitaux saoudiens. Parallèlement, les puissants chefs de la garde nationale saoudienne, une force d'élite intérieure, et de la marine ont été limogés. 11 princes et 4 ministres en exercice arrêtés, a tweeté la chaîne, qui n'a pas cité ses sources. Plus tôt elle avait déjà fait état de l'arrestation de dizaines d'anciens ministres, l'information n'a pas été confirmée officiellement dans l'immédiat. 11 Saudi Prince and 4 Sitting Ministers Arrested in Anti-Corruption Probe led by Crown Prince https://t.kokfoja36npic.twitter.com rixwci5h5cq Al Arabiya English Al Arabiya ENG November 5, 2017 Donner une image modérée, ces arrestations interviennent peu après la création, par décret royal, de cette commission, dirigée par le prince héritier et homme fort du royaume ultra-conservateur, Mohamed Ben Salman, âgé de 32 ans et surnommé MBS, contrôlant les principaux leviers du gouvernement, de la défense à l'économie. Mohamed Ben Salman semble chercher à étouffer les contestations internes avant tout transfert formel du pouvoir par pair. Le roi Salman, âgé de 81 ans. Plus grand que Ali Rossi, les Saoudiennes seront autorisées à assister à des événements sportifs dans 3 stades fin octobre. MBS, issu de la jeune génération princière saoudienne, a promis une Arabie modérée, en rupture avec l'image d'un pays longtemps considéré comme l'exportateur du wahhabisme, une version rigoriste de l'islam qui a nourri nombre de djihadistes à travers le monde. Il a lancé plusieurs chantiers de réforme droit de conduire pour les femmes et ouverture de cinéma notamment qui marque le plus grand bouleversement culturel et économique de l'histoire moderne du royaume, avec une marginalisation de fait de la caste des religieux conservateurs. Arrestation de voix critiques du pouvoir. Dans le même temps, il a œuvré pour renforcer emprise politique sur le pouvoir, procédant notamment en septembre à une vague d'arrestations de dissidents, dont des religieux influents et des intellectuels. Selon des analystes, nombre de ces dissidents critiquaient la politique étrangère musclée du jeune prince héritier, comme le boycott du Qatar, ainsi que certaines réformes comme la privatisation d'entreprises publiques et la réduction des subventions de l'État. Parmi les personnes arrêtées figurerait le prince et milliardaire Al-Walid Ben Talal, connu pour franc-parleur et qui avait lancé il y a un an un vibrant appel pour que les femmes obtiennent le droit de conduire, selon des sites web saoudiens. L'étendue et l'ampleur de ces arrestations semblent être sans précédent dans l'histoire moderne de l'Arabie Saoudite, a commenté Christian Ulrichsen, membre du Baker Institute for Public Policy à la Rice University. Si la détention du prince Al-Walid Ben Talal se confirme, elle constituera une onde de choc sur le plan intérieur et dans le monde des affaires internationales, a-t-il estimé.